En direct de Mèche, une édition spéciale sur l'affaire du crapaud Escobar. Toute l'équipe de Mèche TV a réalisé une enquête exclusive pour vous ce soir. Bonsoir, il est 20h sur Mèche TV. Cette édition spéciale est consacrée à l'affaire du crapaud Escobar. Le point sur ce que l'on sait, sur ce que l'on ne sait pas. Des reportages exclusifs dans toute la région, des témoignages poignants, afin de faire toute la lumière sur ces événements qui secouent notre belle ville de Mèche. Merci Benjamin. C'est l'effet d'une bombe. Voilà le sentiment général provoqué par l'affaire du crapaud Escobar. Simples exhortations, il y a encore quelques mois, on parle dorénavant de trafic mondial. On retrouve du comté partout, jusqu'en Amérique du Sud, du Morbihan jusqu'en Russie orientale, où un laboratoire clandestin a encore été démantelé à Vladivostok. La coopération d'Interpol et d'Europol aurait permis d'identifier le cerveau de ce trafic. Alain Delanne se serait lui-même baptisé Crapaud Escobar. Une fois son réseau bien implanté, une cellule de crise a été ouverte à la mairie de Mèche et nous sommes allés enquêter sur place où la vérité ne semble pas être aussi simple. Le jour se lève sur la petite ville de Mèche, charmante bourgade de Franche-Comté. Habituellement connue pour ses fromages, elle se retrouve sous le feu des projecteurs et de l'actualité dans l'affaire qui tient en haleine tout le pays, l'affaire du crapaud Escobar. Selon des sources officielles, l'affaire serait entrée dans une phase décisive et les soupçons se tournent vers un certain Alain Delanne, enfant du pays de Mèche. Nos envoyés spéciaux sont partis enquêter sur place et il semblerait que l'homme le plus recherché de France y soit très populaire. Vous connaissez Alain Delanne ? Oui. Ah ouais, c'est un très très bon ami à moi. Allez-y, passez. Voilà, même les terribles gilets jaunes semblent craindre le suspect numéro 1. À moins qu'un certain respect ne se soit noué pendant toutes ces années où le réseau de M. Delanne se serait étendu à travers le monde sans jamais alerter les autorités. Nos envoyés spéciaux, Grégory Hébert et Caro Segmuller, sont allés enquêter sur place dans notre beau village de Mèche. Alors, vous le connaissez ? Non. Non ? Et là, regardez mieux. Non, ça dit quelque chose. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, on ne sent pas un client. Si. Je crois qu'il ressemble. Hein ? Si. Finalement, oui, regarde. Si. Regarde, quand on regarde bien. Il ressemble à un client, ouais. Il ressemble à un client. C'est pas la croix du comté, là. Ouais, ouais, j'ai écouté. Ah, c'est au courant ? Tu veux dire quelque chose ? C'est un trafiquant. Mais attendez, c'est vrai ? Donc, vous l'avez. Ouais. Ouais. Et ça fait longtemps qu'il est passé par ici ou... Je crois que j'ai vu la semaine dernière. C'est vrai, il y a souvent c'est celui qui nous embête par rapport à son pain. Et qui sourit jamais. Voilà, très agréable. Ouais. Ouais. Très agréable. Ouais. Ouais. Et très désagréable. Très désagréable. Ouais. Ouais. HTV, nous enquêtons sur la disparition d'un trafiquant de comté. Oui. Donc j'aimerais savoir si vous avez vu cette personne dernièrement dans votre pharmacie, peut-être pour une ordonnance de Xanax ou de Lexomil. Exactement, oui. Oui. Il vient régulièrement. Et que savez-vous donc Là, ça me gêne un peu, il y a quand même le secret professionnel. Mais ce que je peux vous dire, d'accord, c'est que hein. Il venait quelquefois. Est-ce qu'il a des parts dans votre pharmacie? Ah non, pas du tout, par contre. Non, pas du tout. Non. Il finance des médicaments. Non. Il est juste venu comme un client normal. En fait. D'accord, vous n'avez rien à ajouter? Si, je pourrais vous dire, écoutez-moi, qu'il est toujours un petit peu avant la fermeture, donc il avait des petites questions toujours un peu délicates. Et tu peux juste lui dire qu'il prenait des petites pilules bleues, parce qu'il commence à avoir des petits problèmes. Ah, il prenait des petites pilules bleues. Voilà. La dernière fois qu'il est venu dans votre pharmacie? Ah, c'était il y a à peu près 2 semaines, je pense. Oui. Voilà. Il est passé là. D'accord. Pour ces mêmes pilules bleues, effectivement. D'accord. Et il vous a dit où il se rendait avec ces pilules bleues? Non. Non. Pas, vous n'avez pas la moindre idée du l'endroit où il se rend? Non, je suis resté assez discret. Enfin, voilà. D'accord, je vous remercie, docteur. Je vous en prie, madame. Au revoir. Merci. Personne ne semble savoir où se cache Alain Delanne, mais l'influence de l'homme est indéniable. Bonjour madame. Bonjour. Mèche TV. Nous faisons un reportage sur cet individu. L'avez-vous déjà croisé dans votre magasin? Ah oui, il vient souvent. En fait, à chaque fois qu'il va à la pharmacie, il cherche des pilules bleues et ensuite, il vient ici pour acheter des sous-vêtements. Et pour qui est-ce qu'il achète ça? Est-ce que vous savez? Ah, c'est féminin. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'il vous a parlé d'une personne en particulier? De plusieurs. Oh là là. Bon, je vous remercie beaucoup, madame. Nous allons continuer notre reportage. Merci. D'accord. Merci, au revoir. On est à la recherche de cette personne-là. Comment ? On est à la recherche de cette personne-là, ici.
Est-ce que vous le reconnaissez? C'est qui ce crapaud? Ça vous dit rien? Non, absolument pas. Non. C'est un enfant du pays? Oui, c'est un enfant du pays, il est né ici. Ouais. Pourtant, au niveau des idées, ça me dit quelque chose. Mais pourquoi vous le recherchez vraiment? Oui, oui. Mais c'est vrai. Sinon, non, mais vous plaisantez, c'est une blague, ça. C'est bon signe si trafic le compte, en Alsace. Ben oui, c'est sympa. Eh ben c'est très bien, tant mieux pour lui, alors. Eh ben qu'il le fasse connaître son compte. Allez, bonne journée, merci. Difficile donc de savoir qui est vraiment Alain Delan. À la fois trafiquant, ami, terroriste ou bienfaiteur, les sentiments semblent partagés et le mystère reste entier autour de cette figure emblématique de Franche-Comté. Nous avons retrouvé une personne proche de lui qui aurait partagé sa vie et son témoignage est particulièrement bouleversant. Alors, t'es encore là, toi ? Alors, 4 galopins. Est-ce que tu fais tout le temps là, toi ? Hein ? J'en ai toujours pas sorti ? En direct du café de l'hôtel de ville pour Mesh TV, nous avons retrouvé Céline et Aline, deux anciennes conquêtes de Monsieur Delan. Vous avez bien connu Monsieur Delan ? Non, mais c'est la connue, elle. Elle est dans des états pour cet homme. Il lui a offert des deux sous. Oh là, bah, ce sera pas la première. Il a eu des deux sous ce matin. La dernière. C'est le meilleur coup de Mesh. Que pensez-vous des soupçons qui pèsent sur Monsieur Delan en ce moment? Il est innocent. N'en parle pas. Il est innocent. Il ne l'a pas reconnu. Regarde mon amour, c'est papa. Oh, regarde, c'est papa. Voilà des images insoutenables. Les relations de Monsieur Delan semblent tentaculaires. L'emprise de ce réseau pourrait être bien ancrée dans la région, jusque chez les artisans, les professionnels, même les politiques de Mesh. Nous sommes allés à la rencontre de ces personnalités afin de recueillir leurs sentiments sur cette affaire. En direct avec le fromager, je vous remercie de nous avoir accueillis dans vos locaux. Je vais vous poser une simple question. Il paraîtrait que votre fromagerie appartient au parrain Crapaud Escobar de Mesh. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je ne peux pas dire grand-chose. Il a déjà essayé de nous acheter tout le matériel en inox, en cuivre. Donc, on a réussi à résister. Cependant, on lui redonne tout notre comté. Donc, vous pouvez confirmer qu'il fait du trafic de comté à partir de votre fromagerie? Je ne peux pas tout à fait dire ça, mais... ça n'engage que vous, mais je pense qu'il y a quand même une petite escroquerie derrière. Monsieur Hulbert, on dénombre déjà 4 comptes échoppes dans votre commune. Vous êtes une exception en France. Peut-être que si nous sommes une exception en France, c'est peut-être que mes administrés ont voté pour un maire exceptionnel. Si ces comptes échoppes sont ouverts ici à Mesh, c'est parce qu'ils sont en rapport et rigoureusement suivent la loi de la République. On a un peu l'impression que votre mandat est un peu lié quand même à monsieur Escobar. Ça, c'est une affaire de journaliste, monsieur. C'est une affaire de journaliste et c'est vous qui montez cette histoire. Monsieur Alain Delan est un de nos meilleurs administrés qui participe à la vie communale et qui investit dans beaucoup de choses ici à Mesh. Et tous ces dires à propos de son soi-disant trafic, de comté, tout cela n'est qu'à l'affaire de journaliste, bien entendu. Vous en êtes à votre 12e mandat. Vous avez le même âge que M. Delan, vous l'avez connu à l'école maternelle. C'est quand même un sacré hasard, monsieur le maire. De quel hasard parlez-vous? Vous êtes en train d'insinuer que mon mandat est lié au soi-disant trafic de comté de monsieur de monsieur Delan. Non, je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Monsieur le maire, je vous remercie de votre franchise en tout cas. Nous sommes dans la boucherie de Mesh. C'est dans cet endroit que monsieur Alain Delan Escobar Crapaud, le parrain de Mesh,
a ouvert sa première fromagerie clandestine. Pouvez-vous nous confirmer cela ? Oui, c'est bien ça, c'est bien ce qui s'est passé. Avez-vous encore des demandes de ce fameux comté de Mèche, monsieur ? On n'en a plus pour le moment, mais on est d'accord d'en revendre. Donc, dites-nous un petit peu, vous avez bien connu le parrain et vous livriez des colis pour lui. J'ai bien connu Crapaud, bien bien. J'ai livré beaucoup de colis. Ouais. Oui. Les colis, des fois, colis. Un peu lourds, un peu odorants, mais des colis. Vous livriez à qui ces colis, finalement ? Il y avait une boîte dans la rue de Goule, la rue de Goule que tout le monde connaît. Une petite boîte, toujours la même. Vous êtes au courant des comptes échoppes ? Je pense être un peu au courant, mais M. Crapaud était quelqu'un de bien pour Mèche, hein, qui nous a apporté beaucoup. Qui a fait fructifier les fruitières du coin. Donc, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas dire, quoi. On ne peut pas dire. Ici, ouais. C'est la frontière, c'est les contrebandes. Voilà, Crapaud faisait partie de la contrebande, je pense. D'accord. En direct de Mèche, avec le facteur qui était de Mèche. De Mèche. De Mèche, exact. Merci à tous. Bonsoir, Madame la Duchesse. Merci de nous recevoir dans votre magnifique pied-à-terre méchois. Pouvez-vous nous décrire les relations que vous entretenez avec M. Delanne ? Oui. J'ai rencontré le Crapaud il y a fort longtemps déjà. À l'époque, je n'étais pas très connue, mais mon addiction au comté m'a obligée à le revoir régulièrement. C'est lui qui pratiquait les prix défiant toute concurrence pour une qualité optimale. D'ailleurs, vous connaissez son slogan. Non. Je coupe fin, ça dégage plus. Mais... depuis un petit séjour en cure, je ne le vois plus. Je ne prends plus un gramme de comté. Certains affirment que votre réussite a été rendue possible grâce à vos relations avec M. Delanne. Quels sont vos sentiments face à ces accusations ? Médisance, dénigrement, diffamation. Je n'ai que faire de ces ragots colportés par la presse grand public qui bafoue de la vie privée des gens pour augmenter leur audience. Monsieur Delanne était un ami proche, mais seul mon talent a pu me propulser dans les étoiles. Justement, avez-vous une relation intime avec Monsieur Delanne ? Écoutez, je refuse de répondre à cette question humiliante et indigne d'une grande chaîne comme la vôtre. Bon, très bien. En revanche, vous connaissez très bien monsieur le maire de Mèche. Tout à fait. Notre goût et notre raffinement nous ont rapprochés. Mais tout comme moi, monsieur le maire n'a rien à voir avec cette terrible histoire de trafic dont tout le monde parle et dont les journaux se gargarisent. Très bien, merci de votre franchise, Madame la Duchesse. Grégory Hébert, pour Mèche TV. À vous les studios. L'affaire du Crapaud Escobar semble fasciner le monde entier. La une des journaux internationaux fleurissent sur le sujet. Depuis quelques jours, vidéos, photos, forums internet et même un studio de cinéma hollywoodien seraient en train de filmer les aventures du Crapaud Escobar. Notre équipe a trouvé pour vous la bande-annonce de ce film. Une exclusivité Mèche TV. We'll be right back.
certainement la future Palme d'Or au prochain festival de Cannes. Excusez-moi, Benjamin, il me semble que notre envoyé spécial soit en direct avec la mère du suspect dans cette affaire. Oui, oui, nous allons vous passer l'antenne. Oui, la régie, tout est prêt. Voilà, c'est un reportage exclusif Mesh TV. C'est un véritable scoop, mesdames et messieurs. À vous, Jeff. Madame Delanne, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir vous interviewer. C'est la première fois que vous acceptez de parler en direct de Mesh. Je vais vous poser une question toute simple. Comment était Alain Delanne petit ? Alors, Alain, quand il était petit, c'était un enfant qui était calme, qui était souriant, qui n'avait jamais aucun problème. Et comment a-t-il fait pour devenir ce tyran sanguinaire qu'on connaît actuellement ? Tyran sanguinaire, c'est un bien grand mot. Quand il était petit, ben, il jouait à la guerre avec une mitraillette parce que son père avait ramené un calot des spahis d'Algérie. Il allait aux escargots. C'est pour ça qu'il adorait tirer les cornes des escargots et son goût du comté. Le goût du comté, ben déjà quand il rentrait du collège, la première des choses au goûter, c'était le comté. Il rentrait du collège, il mangeait le pain avec le comté. Et c'était du comté de Mèche. Ah oui, c'était du comté de Mèche. Il a toujours aimé le comté. Puis un jour, ils étaient montés au-dessus d'un arbre pour observer. Et il y a une chose incroyable qui s'est passée, c'est qu'un couple était venu, ils avaient étendu une couverture par terre, et ils étaient au-dessus, ils n'osaient pas bouger. Donc c'est là qu'ils ont eu pour la première fois leur première leçon de sexologie. Merci beaucoup pour ce témoignage émouvant. Nous vous remercions. Merci. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. La production de Mesh TV ne recule devant rien et a mandaté le terrible détective Let's Go Muller afin de tenter de retrouver la trace de M. Delanne. Son enquête n'en est qu'à ses débuts, mais il semblerait qu'il ait très tôt tenté d'acquérir des fromageries à l'aide de moyens détournés relativement peu honnêtes. Voici enfin arrivé sur les lieux où le docteur Delanne a sévi dans les années 2000-2001. Et pour être très précis. Détective Lesbo Muller, toujours à Célestin. Nous avons en fait repéré le bâtiment d'où sévissait le crapaud. Ça, ce sont les quais d'où étaient chargés les paquets de faux billets de vin. Nous allons tenter de pénétrer dans cette imprimerie pour en savoir plus sur la vie de Crapaud Escobar dans les années 2000 ici. Nous approchons de l'usine où a sévi Delanne. Dans les années 2000. Bonjour. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Alain Delanne ? Delanne ? Oui. Ici ? Ouais. Alors là. Il aurait travaillé ici dans les années 2000 ? Ah, alors, bon, moi, j'étais pas encore. C'était pas encore là ? Je demande des amis, des collègues. Elisabeth, est-ce que tu connais... comment il s'appelle ? Alain Delanne. Non. Pas du tout. Ici, chez nous ? Ouais. Il aurait imprimé des faux billets, en fait, de 20 euros, là. Pardon ? Vous n'êtes pas au courant de ça ? Ah non, moi, je... On est en train d'enquêter sur la Franche-Comté. Il aurait acheté du comté avec un paquet de... Enfin, d'accord. Un paquet de fromagerie de... Franche-Comté. Il y a longtemps alors ou... Il y a un paquet d'années que ça dure, mais dans des quantités impressionnantes, quoi, apparemment. Mais comment vous arrivez chez lui ouais. Comment... Il a travaillé ici. A travaillé, comment vous dites ? Alain Delanne. Delanne ? Delanne. Il faudrait que je demande Isabelle, parce que moi je connais Isabelle, pas. Isabelle. Bonjour. Mais on avait des sites ailleurs. Je ne pose pas la question, Isabelle, parce que ben, je ne comprends pas comment on est en horizon. Isabelle, salut. Une petite question. Est-ce que tu connais Alain Delanne, par hasard ? C'est une personne qui aurait travaillé ici, apparemment. On l'appelait apparemment Crapaud Escobar. Année 2000, ça ouais. Te dit ? Non ? C'est possible, mais il y en a tellement. Il y avait beaucoup de monde à cette époque-là. Ouais, ouais. On va voir dans le registre. Vous êtes ? Oui, je suis le détective Lesgo Muller. D'accord.
Bon, je vais passer la consigne au service du personnel. Attendez, je... Parce qu'il y a une personne... Nous nous permettons d'interrompre la diffusion de ce reportage car nous sommes en direct, en liaison téléphonique avec notre correspondant permanent aux Pays-Bas, Pierre Butini, qui aurait réussi à remonter la filière internationale de M. Delanne. Pierre, bonsoir. Vous pouvez nous confirmer donc bien que ce trafic a pris une dimension internationale il y a plus de 20 ans ? Exactement, Benjamin. Après plusieurs mois d'enquête, nous avons finalement mis la main sur cette photo qui nous le prouve. Alain Delanne, armé d'un comté de voyage sur la route de la contrebande. J'ai suivi ses traces et me trouve à cet endroit précis où tout a commencé au début des années 90. Le comté de Meche est aujourd'hui encore positionné de telle sorte que les fromages locaux ne sont plus qu'un deuxième choix sur le marché néerlandais. Pensez-vous que le statut d'étudiant de M. Delanne était une couverture pour ses affaires ? C'est évident. Alain Delanne, ici aussi surnommé le crapaud Escobar, prétend avoir étudié en Allemagne alors qu'il ne maîtrise absolument pas un mot de cette langue. Ceci nous a été confirmé par plusieurs professeurs de la Fachhochschule. Voici aussi une photo d'époque prise au retour d'un camp d'entraînement pour managers basé aux Pays-Bas devant le premier comté shop Old Amsterdam. Selon des sources fiables, il est en compagnie du maire actuel de Mech. Est-ce que vous pouvez confirmer que les Pays-Bas sont bien le point de sortie pour le trafic mondial que l'on soupçonne ? Oui, Benjamin. C'est ici que tout a commencé, dans une résidence étudiante à quelques kilomètres de la frontière germano-néerlandaise et aujourd'hui le siège de la filière internationale du crapaud Escobar et de ses partenaires. Nous ne voulons pas compromettre monsieur le maire de Mech, mais cette photo récente prise devant le centre de distribution principal de comté prouve que les affaires tournent bien. Les deux autres personnes masquées sur cette photo n'ont pas encore pu être identifiées, mais elles ne sont probablement pas liées au trafic. Quittons l'Europe pour conclure, car aussi dans des contrées plus lointaines, des rumeurs de trafic ont été signalées et même documentées. En effet, des photos exclusives prises par satellite nous dévoilent des nouvelles méthodes du crapaud Pablo à Marrakech-la-Rouge. L'expansion du trafic de comté vers le sud serait-elle subventionnée par les Gnawa Marakchi ? Cette nouvelle énigme nous pousse à continuer notre enquête, donc affaire à suivre. À vous les studios. Édifiant. Merci Pierre pour ces révélations explosives qui confirment donc l'ampleur du trafic de M. Delanne, d'une portée internationale ainsi que la compromission de M. le maire, qui pourtant réfute toute participation à cette entreprise mafieuse. Voilà ce que nous pouvions dire à ce stade de l'enquête. Alors, Robin des Bois du Morbier ou Ben Laden du Comté, le débat est lancé. Nous nous permettrons d'interrompre la programmation de Mech TV si d'autres éléments venaient à être connus. En attendant, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Ah non, coupé. Je ne sais pas ce que je dois dire sur lui, en fait. Ben, moi, je vous remercie pas de votre interview. C'est de travers ou c'est de... C'est bizarre, c'est bon. Hé, silence, allez, allez, ça tourne. Non, mais comment tu veux que je raconte ça? Ou un laboratoire clandestin a encore... Et putain, il y a un con qui sonne. Bonsoir, il est 20h. Bienvenue dans cette édition spéciale de JTL. Sous le fromage? Je ne sais pas, il y avait le colis. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh, merci, c'est des mots forts.